Êtes-vous prêts aujourd'hui, les amis, à vivre une aventure exceptionnelle? Alors, si t'as répondu à la question, c'est que t'es quelqu'un de bizarre, mais c'est pas grave, je te pardonne. Alors aujourd'hui, on est sur Poids, c'est un petit jeu d'aventure qui a l'air plutôt sympa. On va faire ça ensemble, c'est parti. Il était une fois, deux orphelins. Ben ? Oh non ! Mais que font-ils dans la vie ? Ils rêvaient de partir à l'aventure. Un jour, ils s'enfuirent et partirent pour un grand voyage. Cette musique est extraordinaire. Hey ! Réveille-toi ! Oh ! Bonjour, désolé de te réveiller, mais j'ai un petit problème. J'ai perdu un objet très important dans cette forêt, et je me demandais si tu pouvais m'aider. Y'a pas de souci, papy, moi je suis là pour toi, frère. Le mec a des fioles d'alcool sur lui déjà, ça commence bien. Regarde là-haut. Mais qu'y a-t-il là-haut ? Tu vois cet objet brillant dans cet arbre ? C'est l'objet très important dont je te parlais. Je n'ai plus toute ma jeunesse, tu peux monter l'attraper ? Mais oui ! Moi je te l'ai dit, papy, je suis là pour toi. Alors lequel d'entre vous va m'aider ? Ah ouais, d'accord, on peut choisir la fille ou le garçon. Bon bref, c'est bon, on va arrêter là. C'est vrai, splendide ! Tu rends ce vieil homme très heureux, youhou ! Je vais attendre que tu le récupères. Bonne chance. Merci, vieille croûte. Alors, ZQSD pour se déplacer, d'accord. Ah ok, il nous explique un petit peu comment ça se passe, le didacticiel. Puis sur espace pour double saut. D'accord ! Ah ouais, c'est carrément Mario, quoi. Ok, double saut. Voilà, on a passé le premier obstacle avec brio. Vous sentez la copie Mario, là, avec les pièces qu'il faut ramasser ? Mais bon, moi, j'aime bien, quand même. Mais regardez comment il court. Le mec, c'est le plus heureux au monde. Ah, merde, j'ai fait... Non. On va éviter de faire des conneries, on va essayer de récupérer l'objet que le papy nous a demandé. Regardez, je vois l'objet, c'est ce machin brillant qu'il faut aller récupérer. Allez, on y va. Double saut. C'est une victoire. Petite, mais victoire quand même. On récupère le diamant. Et putain, on va faire du skyline, quoi, carrément. C'est trop stylé, j'adore. Ta ta la ta la ta la ta ta. Bon, bref, on va récupérer cette chose. Yeah! Magnifique. Médaillon récupéré. Un coup de main. Ok. Youhou! Tu l'as récupéré. Pourrais-tu m'accorder une autre fois? Alors, bah attendez, le mec va me demander des trucs tous les deux secondes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Apporte cet objet important. À mon dirigeable. Sois prudent quand tu descendras. Alors, sois prudent quand tu descendras. Évidemment, faut jamais écouter son grand papy. C'est celle-là. Salut, tu t'entraînes pour devenir un explorateur? Oh, tu es juste un vieil homme, je vois. Bah ouais, moi j'aide les vieux. Moi je suis gentil, je les aide à traverser, à porter leurs courses, à changer les couches quand il faut. Qu'est-ce que... Oh mon dieu! Mais c'est une baleine! Le Baleinou Express, les amis! Le vaisseau intergalactique numéro 2! On va monter sur ce bateau, ça a l'air génial! Qu'est-ce qui se passe? Putain, il y a une boussole énorme au milieu. Ok, donc le vieux est là, on va aller le voir, on va lui causer. Que veut-il? Eh oh! Tu es plutôt agile. Je ne pourrai jamais assez te remercier de récupérer mon médaillon d'explorateur. Qu'est-ce qu'un médaillon d'explorateur? Eh bien, c'est une longue histoire. Il y a longtemps, ma femme et moi avons parcouru le monde, collectionnant les médailles d'explorateur partout où nous allions. J'essaye de trouver... Ah merde, j'ai sauté l'histoire, désolé. J'essaye de trouver le reste de mes médaillons d'explorateur. Mais ce n'est pas facile. Ok, donc apparemment, on va devoir récupérer tous les médaillons d'explorateur que papy a perdu, évidemment. Pourquoi ne m'aides-tu pas à trouver? Ce sera une bonne aventure. Mais oui. J'accepte. Vas-tu aider le vieil homme? Est-ce qu'on est des bâtards? Non, on n'est pas des bâtards. J'aimerais partir à l'aventure. Youhou! À la bonne heure. Allons-y, accroche-toi. Quoi, on va partir là? Oh, les moteurs se mettent en route. Le Baleinou Express prend vie, les amis. On va dépasser le mur du son. Regardez-moi cette puissance motorisée. Bon, c'est pas une Ferrari, mais bon, ça a le mérite de voler quand même. Mais attends, d'où elle sort? Elle était pas là tout à l'heure. Mais tu changer de personnage? Non, ah ouais, d'accord, on peut changer de personnage en cours. Tu n'as jamais été aussi haut. Yahoo! Bienvenue dans le ciel. Welcome to the sky. D'ici, nous pouvons voyager dans tout le monde. De Poids, Poi, Poi. Je ne sais pas, vous ferez comme vous voulez. Regarde de ce côté. Qu'y a-t-il de ce côté? Oh, un château, c'est notre premier arrêt, le canyon Douillet. Oh, le canyon Douillet. J'étais sur le point de chercher notre médaillon d'explorateur, lorsque j'ai remarqué qu'il y avait un dans cette forêt. Puisque tu es officiellement un explorateur en formation, pourquoi nous emmènes-tu pas là-bas? Tu vois le gouvernail au milieu du dirigeable? Bah oui, on le voit, il est plus gros que le bateau, le bordel. Oh non mais merci, on l'a vu. Pousse les barres pour nous faire tourner vers cette silhouette. Ne fais pas attention à la boussole, elle est en panne. Alors je sais pas s'il est timbré ou s'il est vraiment heureux le gars, parce qu'il dit où à chaque fin de phrase. Tu as bien compris, ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas vite comprendre. Non mais c'est bon, on n'est pas débiles non plus, on sait tourner un gouvernail. Emmène-nous au canyon Douillet. Bon, ok, c'est parti pour le canyon Douillet, pousse les barres du gouvernail pour faire tourner le dirigeable.
canyon douillet. Nous voilà. Ah merde, on y était, attendez. Ça a foiré. Voilà. On est bon là. Voyager, voilà. Bah voilà, le canyon douillet, on arrive. Encore un médaillon. Il est beau celui-là. Ah d'accord, on nous fait une petite visite des lieux. Il y a des éoliennes et tout, il y a un moulin. On part sur un jeu écologique, les amis. Ah ouais, carrément, on commence avec une cascade de la mort. Allez, c'est parti. Ah, c'était pas mal, cette petite glissade. Oh, des personnages du canyon douillet. Alors, est-ce que c'est des méchants ou c'est des amis? J'essaye de rester sur ce chemin pour éviter de rencontrer des ennemis. Tu comprends? Je ne suis pas assez fort pour leur sauter dessus. Mais c'est quoi ces cris qui poussent, ces trucs, là? C'est quoi, c'est un ananas? C'est un potiron? Tu sais pas ce que c'est? Quoi? Ah d'accord, lui c'est un ennemi! Ah le bâtard! Attendez, on va lui sauter dessus. Ah non! J'arrive! Là! Allez, putain, mais c'est hyper dur! Je suis avec le clavier souris aussi, c'est impossible à contrôler! Arrête de bouger! Arrête de bouger, métamorphe! Bah voilà, je l'ai eu! Ah bah merci pour la pièce! On va pas se faire chier à tous les tuer, on va les esquiver au fur et à mesure, ce sera plus simple. Pourquoi il a un seau sur la tête, lui? Grosse libasse! On dirait Jar Jar Binks, le truc! Eh! Hey, la libasse! Ça va comme Jaja? Ça va toujours comme Jaja. Allez, on fait un peu de skyline, on monte là-haut. Le but va être de récupérer le médaillon d'explorateur. Un renard! Non mais il y a des bêtes trop bien dans ce jeu! Bon alors, c'est quand je vois ça, c'est que je me dis ça va commencer à être un petit peu chaud. Va falloir rester concentré, les potes. Ok, allez, on jump. Oui, on est pas mal là. En vrai, j'ai même pas vu où il était le médaillon. Ah si, il est en haut du moulin. Ok, ok, je viens de le repérer. On va devoir sauter. C'est par là peut-être? Ah, une taupe! Une taupe, tu es saloperie! Ah, elle lance des cailloux. Vas-y, vas-y, viens là. Vas-y, viens là. Et voilà. Je vais bien toper la gueule à celle-là. Alors nous voici avec notre ami chou-fleur. Enfin, je sais pas quel légume c'est. Je dirais que ce moulin avant manque un peu de puissance. Où mène cet étrange fil jaune? Peut-être dans ton cul. Lui, il va me saouler. Voilà, je l'ai eu. Ah, c'est en deux coups qu'il faut l'avoir. Bon, bref, on va le passer, puis on va actionner ça. Comment on actionne? Voilà, on fait pousser. On met de la puissance au moulin. Et voilà, le moulin tourne, on va pouvoir monter en haut et récupérer le petit médaillon d'explorateur. J'adore les jeux d'aventure. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à Zelda. C'est entre le Zelda et le Mario. Les mecs ont carrément plagié, mais on s'en bat les couilles. Voilà, on se concentre un peu. Et voilà, j'ai eu chaud quand même. On est retourné avec le vieux. Content de te revoir, explorateur. J'ai quelque chose à te montrer. Viens ici et jette un coup d'œil. Papy, qu'est-ce que tu veux me montrer? Un petit pépé. Pendant que tu étais parti, j'ai trouvé quelques-uns de mes anciens outils d'explorateur. Et ils vont pas arrêter d'employer ce moulin. Certains outils t'aideront à te diriger dans les niveaux, tandis que d'autres t'offriront plus de façons d'explorer. Bien sûr, tu devras me donner quelques pièces pour que je te... Quoi? Non, attendez, on est en train de se faire arnaquer par une espèce de vioc sur un bateau baleine. Vous la sentez, l'arnaque, là? Attendez, c'est censé être un papy gentil qu'on aide, et là, il veut qu'on le paye, maintenant. Parce que maintenant qu'on est sur son bateau, on peut plus rien faire. Il nous a piégés. Quel un pédophile attrape sa proie. Non, c'est carrément horrible. Est-ce qu'il y a possibilité de le pousser dans le vide et récupérer son bateau et aller le vendre? On peut acheter du stuff, ça c'est plutôt cool. Attire automatiquement, ok, aimant, machin, ouais, il y a plein de trucs. Boussole, télescope, etc. Je peux acheter que le télescope et la boussole pour l'instant. On va partir sur... On va partir sur la boussole, allez. Ouais, maintenant on travaille pour lui, quoi. J'ai l'impression qu'on est devenu un peu son esclave. Pas moyen de le balancer ou lui mettre une patate dans ses dents. Ah, donc maintenant c'est un petit peu un monde ouvert, je peux un petit peu aller où je veux. Alors pas du tout, ça va nous emmener ailleurs. La fête des fleurs se déroule aujourd'hui. Tu devrais te joindre aux festivités, mais oui, j'ai tellement envie. Alors, elle est où cette fête des fleurs là? Moi je veux boire de la gnôle de fleurs. C'est où que ça se passe, les reilles? Donc si ça se passe, la teuf. Alors, aide-moi à trouver ma graine. C'est quoi ce délire? Je crois l'avoir perdu dans une caverne à proximité. Lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Aide-moi à trouver ma graine. Ah bah pareil, il y a le même problème. Qu'est-ce que t'as, monsieur chapeau, là? Le concours de cette année commencera lorsque les trois concurrents seront prêts. Ok, donc pour qu'ils soient prêts, je pense qu'il faut qu'on retrouve leur graine et la grotte a l'air d'être ici. Caverne du renard. Merci d'avoir trouvé ma graine. Ah ouais, c'était très compliqué comme mission. C'est bien qu'elle était dans cette caverne. C'est que ça? Je comprends rien, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? Et pourquoi il y a un renard? Est-ce que c'est un ennemi ou... Non, c'est un gentil personnage. Non, le fennec, non. Bon bref, merci d'avoir trouvé ma graine. J'ai hâte que le concours commence. Concours de quoi? Mais de qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Nous manque deux autres graines. Et ben on va partir les chercher. J'ai failli me faire agresser. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici. J'ai le vertige. Sois prudent et évite de rester trop près des falaises escarpées. Touillis!
C'est le cri officiel des ananas vivants là. Alors qu'est-ce que c'est que ça en face? Putain, mais je me méfie de chaque truc, je sais pas si c'est ami ou ennemi à chaque fois. Ah, c'est de la lave! Putain, j'ai failli me faire arnaquer. Une deuxième graine! Merci d'avoir retrouvé ma graine, je savais bien, voilà, ok. On est content. On a trouvé la graine du deuxième petit ananas. Un diamant plus 10, ça c'est cool. On va pouvoir acheter des trucs à papy. D'ailleurs, papy aurait pu nous donner les choses, hein, parce qu'en même temps, là, il nous fait travailler, quoi. Mais que vois-je? Ne serait-ce pas la dernière graine? La fête de la fleur va pouvoir commencer, j'ai l'impression. J'ai cru entendre la musique qui s'était mise en route. Et regardez, les trucs se sont allumés. Ça sent la teuf à la flaire. Ouais, donc faut aller parler au vieux. L'heure est arrivée. Que le concours commence. Ah, c'est qui aura la plus grosse? Qui aura la plus grosse? Mais c'est carrément ça. Bon bah apparemment c'est le jaune qui a la plus grosse. Hein. J'espère on vous revoit l'année prochaine, profiter de la fête tout le monde, blabla. On va bien picoler et c'est le plus gros qui a gagné. Bon bah c'est l'heure de se mettre bien, c'est où la tease là? C'est où la tease et les petits fours? Le concours de cette année a été un grand succès. Bah ouais mais bon t'as quand même la plus petite. C'est grâce à toi, bah oui évidemment que c'est grâce à moi. T'as cru que c'était grâce à qui? Tu veux que je te mette une droite ou quoi? Mais pourquoi la taupe elle veut le tuer? Hey, René! J'ai rien fait là, vas-y détends-toi. Ah mais oui c'est sur la fleur, évidemment. Allez on va monter sur la petite fleur bleue. Puis la petite fleur rose, et enfin, la grosse fleur jaune. Et je l'ai raté. Allez, on l'a maintenant. Got it. C'est moi le boss. Oh, il fait nuit, on est de retour avec papy. Content de te revoir, explorateur. Ah oui, parce que le mec n'est pas sûr de nous revoir, quoi. Il sait qu'on peut crever. Je vois que nous avons un visiteur à Babor. Babor, c'est à droite, si vous ne connaissez pas le terme nautique. Ok, c'était à gauche. Merci. Je me demande s'ils sont sympathiques, tu devrais aller voir. Mais ils ont l'air extrêmement sympathiques, regardez-moi cet énorme drapeau pirate. Alors soit le mec est complètement con, soit il est aveugle. Comment les Vatiens utilisent mon ancienne voile explorateur? C'est là, il va me passer son slip. La voile explorateur te permettra de planer dans le ciel. J'allais accrocher à ton sac à dos, saute du dirigeable. Elle s'ouvrira automatiquement. Mais c'est trop bien, on va faire parachute. Allez, saute du dirigeable, il va y avoir notre nouveau visiteur. Mais le mec m'envoie vers des pirates en sautant en parachute avec son slip, quoi. Saute du dirigeable pour utiliser, on a compris. C'est parti. Comment on l'ouvre? Oh, ZQSD, c'est incontrôlable. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attendez, on va essayer d'atterrir sur ce bateau qui a l'air plutôt sympathique avec une grosse voile et une tête de mort. Bonjour visiteur de l'espace, je suis votre ami. Qui c'est ce show là, on va lui parler? Tu dois être un de ces explorateurs. Je suis marchand ambulant. En échange de pièces, tu peux emprunter mon canot. Ton visiteur. C'est quoi? C'est que des allusions cheloues ou c'est moi qui suis bizarre? J'ai des doutes. Tour mystérieuse, super toboggan, gris céleste. Non, course d'escalade, con. Oh là là, il y a trop de trucs, c'est la teuf. Débloqué, allez, on va tester. Débloqué pour 15 pièces, ouais. Ah d'accord, il va nous envoyer avec son canon. Oula, on part sur un... What? On part dans l'espace, là. Non, mais c'est carrément Mario. Vous savez, le moment où vous êtes dans le château, il y a un truc, je crois, c'est où tu dois aller récupérer Peach, ou je sais plus. Mais en tout cas, il y a un toboggan avec de la neige comme ça. Oh, le sang-cul, le plagiat ultime. Attendez, merde, c'est chronométré, je parle, mais il n'y a pas le temps d'enfiler des perles. Allez, on va glisser le long de ce toboggan complètement plagié. Évidemment, c'est une catastrophe, j'ai récupéré aucune pièce. Regardez, je vois le bout du tunnel, et j'ai vu qu'il y avait un... Tain, voilà, heureusement que le sapin s'est enfourné. Pour me rattraper. Allez, on va récupérer ça. Awesome, motherfucker. En fait, c'était pas un ennemi, c'est un mec qui peut nous aider un petit peu à avancer dans nos quêtes. On va voir qu'est-ce qu'il propose d'autre d'intéressant. Tour mystérieuse, allez, on va partir là-dessus. Le mec n'a aucun respect, quoi. Il va nous balancer dans son canon. Ok, on part sur un casse-tête ambulant, j'ai l'impression. Alors, je suis très fort, moi, en casse-tête. On m'appelle le casse-tête. Mais pas parce que je résous des casse-têtes, parce que je mets des coups de boule. Voilà, je suis désolé hein, pour cette vanne. Le YouTube Trophy, il est où? Il est là-haut. Faut aller le récupérer, j'ai l'impression, évidemment, sinon on serait là pourquoi. On avait dit quoi? On avait dit où? On avait dit quand? On avait dit comment? Beaucoup de questions, peu de réponses. Et voilà, je crois avoir trouvé la réponse, évidemment, il faut que je dise pour avoir la réponse. Je suis un boss. Ça va bouger, on va sauter sur le truc en face, et puis on va être pas mal. Sentez-vous la victoire qui arrive? J'ai failli mourir, putain, ça va être chaud, là. Wow, j'ai réussi. Yes! En 4h12! Laissez un petit like à cette vidéo si vous l'avez aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu, j'aime bien les graphismes. Et puis, comme d'hab, je vous dis à la prochaine, les amis. Au revoir!